Tous les jours, les femmes et les hommes de ce pays, comme celles et ceux de tous les pays, produisent de la richesse, que leur travail soit rémunéré ou non. Tous les jours, une partie de cette richesse est confiée à un État qui est chargé de redistribuer celle-ci au mieux des intérêts de l'ensemble des citoyens. Tous les jours, les représentants du peuple et le gouvernement détournent cette richesse au profit de leur caste. Tous les jours, les grandes entreprises détournent une partie toujours plus grande de la richesse produite par les salariés pour rémunérer les actionnaires, 67% des bénéfices. C'est une immense confiscation, un détournement criminel, un vol qualifié. Bloquer l'économie, c'est reprendre ce qui a été volé et en exiger la maîtrise. Bloquer l'économie, c'est priver le président, le gouvernement, les parlementaires voyous et les actionnaires du magot, donc du pouvoir. Bloquer l'économie, c'est se réapproprier la richesse produite et décider de sa redistribution. Bloquer l'économie, c'est, pour les citoyens, une possibilité de reprendre le pouvoir et d'en dessaisir les imposteurs. En mai et juin 1936, des grèves massives bloquent l'économie. Les détenteurs des capitaux et des propriétés lucratives, craignant de voir mis en cause le droit de propriété de leurs usines, cèdent aux revendications. Ils n'ont donc cédé que quand le rapport de force leur fut défavorable et qu'ils durent faire face à des grèves massives. En mai et juin 1968, 8 millions de grévistes paralysent le pays pendant 2 semaines. Le patronat et le gouvernement cèdent sans toutefois changer la structure des pouvoirs. Il n'y aura pas de progrès social tant que ne sera pas interrogé le droit de propriété des moyens de production, et ce droit ne sera discuté que si l'économie est bloquée par celles et ceux qui l'alimentent.